Bonjour tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une page, ce sera une page pour ces deuxièmes stencils, pour ma boutique, voilà. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que j'utilise des produits qui sont en rupture pour le moment, mais ça va revenir d'ici le mois de juillet, voilà. Je vous lance donc mon papa tout de suite et j'aurai tout de suite. Donc pour cette page, je vais prendre donc ce bloc, Handmade Création. Donc, pas besoin de préciser d'où il vient, hein. Je pense que on en a tous un ou deux de cette marque. Et je vais prendre celle-ci. Parce que la dernière fois déjà me plaisait pour une de mes pages. Finalement, je vais prendre celui-ci. Je vais lui passer un petit peu de gesso. Alors, je vais la prendre comme ça. Et je vais faire ça là, sauvage. Bon, je vais laisser sécher. Je vais prendre le pochoir. Donc là, c'est large napperon 3. Je vais prendre du modeling paste. Tiens, j'ai du blanc là. Il est même crado déjà. Il y a un peu de bleu dessus. Alors, vu que ma page a gondolé. Bon, plus de batterie, donc hop, j'étais en train de faire ça. Je vais prendre j'ai du Martha Stewart Pearl en bleu de sortie, je sais pas, je vais voir ce que ça donne. Voilà, hop. Donc j'en suis là. Alors le seul inconvénient, c'est qu'en fait j'aurais jamais dû mettre le gesso en premier, parce que j'ai mis le gesso et finalement le blanc ne se voit pas réellement. Donc je vais essayer de faire un truc à l'H2O si j'arrive à les ouvrir. Comme d'hab, hein, je les rebouche mal. Mais en fait, je les rebouche quand ils sont encore, comment dire? Ils sont encore pleins d'encre. Je vais pas réussir à les ouvrir. Bon, après m'être battu avec le truc, je l'ai même cassé là, hein, pour pouvoir l'ouvrir. Alors maintenant, il me faudrait de l'eau. Mais bien sûr, je n'ai pas d'eau. J'ai un fond d'eau là. Avec le bleu, regardez ce que je vous dis. En fait, je l'ai mis alors qu'il était encore humide. Et en gros, tout s'est foutu là. C'est pas grave. Ça suffira. Je vais laisser sécher. Là, je vais faire regarder. Ça. Bon, on continue dans le domaine. On teste. Je vais y passer un petit coup de distress. En fait, pour ressortir un petit peu.
Voilà. Bon, on va faire quelques petites tâches. Ouais, là, franchement, c'est... On surexpose, soit. On fait n'importe quoi. Non, mais c'est quelques petites tâches. Voilà, j'arrête là. Ma photo est juste ici. Hop, je vais juste la retailler un tout petit peu pour qu'elle soit vraiment tout en longueur. Je vais enlever ça. Bon, allez, je vais retailler encore un petit peu. Voilà. Hop, je vais prendre une feuille noire pour y faire un matage. Hop. Alors. Voilà, donc je vais coller mon fond, mon matage, hop, hop. Là, je vais prendre du Twins, c'est ça, hein, Backer Twins, donc je vais rester dans les tons bleus. Un deuxième, hop, ah, c'est chaud. Je ferai ça avec le reste. Donc là, hop, je vais coller ma photo dessus. Déjà, ça va tenir la ficelle. Après, je vais mettre un badge juste ici. Oui, c'est chaud. C'est chaud deux fois. Ouais, non, mais faut être bête, hein. Le gars, il sait que c'est chaud, mais il remet son doigt, hein. Il se brûle 4 fois, mais c'est pas grave, hein. Et là, je vais faire quoi? Est-ce que je mettrai pas une petite étoile? Je ne sais pas. Le petit love bleu, hop, il ira bien là. Tac, je vais prendre le mec a l'habitude de dire pochoir. Le tampon photographie, hop. Il me faudrait de l'encre. Perfect. Et je vais arrêter là-dessus.
Voici ma page, comme vous avez pu la voir. Donc, qui est plutôt simple. Hein. Donc, pochoir Napron 3 en large. Le badge, les pieds dans l'eau et le love. Je crois qu'ils sont en rupture. Et le tampon, malheureusement, qui se... Tous mes tampons sont en rupture, mais comme je vous l'ai dit au début, ça reviendra d'ici le mois de juillet. Voilà, une... plutôt simple, hein, avec ma fille qui fait la danseuse dans l'eau. Donc, d'où les pieds dans l'eau. Voilà, j'espère donc que cette page vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, comme d'habitude, à l'aide d'un commentaire, d'un pouce bleu, les deux, d'un abonnement, d'un... d'un partage, tout ça, voilà, hein, parce que j'ai remarqué que plus vous partagez, plus vous likez, plus il y a des gens qui s'abonnent, voilà, donc si t'es pas abonné, abonne-toi, et ainsi de suite, donc moi ça me fait plaisir d'avoir des nouveaux abonnements, des nouveaux abonnements, j'étais en train de me dire, est-ce que c'est français, et voilà, et ainsi de suite, plus de likes, tout ça, en tout cas, voilà, n'hésite pas à partager si ça t'a plu. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.